Bonjour à tous et bienvenue dans ce focus consacré au jeu de combat du mois, le très attendu et très sanglant Mortal Kombat X. La saga Mortal Kombat, c'est un peu un vieux de la vieille en termes de jeu de combat. Petit tour de ce nouvel épisode. Évidemment, nous retrouvons dans cet opus les personnages principaux, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, ils sont tous de la partie. Mais au milieu de ces personnages emblématiques, nous retrouvons une galerie d'une trentaine de combattants, dont certains petits nouveaux comme Cassie Cage, la fille de Johnny Cage. Manette en main, le jeu parlera tout de suite aux connaisseurs de la licence, avec toujours les mêmes bases, à savoir deux boutons sont réservés aux coups de poing et deux autres pour les coups de pied. Mais ce Mortal Kombat X est aussi livré avec son lot de nouveautés. L'autre détail que l'on avait déjà eu l'occasion de voir dans des jeux comme Injustice, l'utilisation du décor. Ainsi, sur chaque terrain, vous pourrez utiliser une partie du décor pour asséner un coup plutôt violent à votre ennemi. Alors méfiez-vous, lorsque vous voyez l'adversaire reculer, il n'est pas forcément en train de fuir. Mais le gros argument de cet opus, c'est la variation de personnages. Ainsi, chaque combattant est disponible en trois versions différentes. Il sera ainsi beaucoup plus difficile de prévoir les attaques de votre ennemi, car chacune de ces versions a ses spécificités. Prenons par exemple Scorpion. Vous aurez le choix entre trois types. Ninjutsu, vous permettant d'utiliser des attaques à l'épée, donc à courte portée. Incendiaire, vous donnant accès à des boules de feu et à une aura de flamme, parfait pour les attaques à distance et la défense. Et enfin, Pyromane Infernal, qui là, vous permettra d'invoquer un double démoniaque pour une attaque aérienne. Pour chaque combattant, les variations sont sensiblement les mêmes, à savoir corps à corps, attaque à distance et technique aérienne. Un excellent moyen de varier les combats tout en utilisant les mêmes combattants. Mais cette nouveauté a un autre avantage, celui d'éviter les étiquettes attachées à chaque personnage. Plus de guerriers spécialisés dans le corps à corps ou autre, tout le monde est à la même enseigne. Et bien évidemment, un Mortal Kombat qui se respecte se doit de terminer son combat par des fatalities. Et cet épisode n'en manque pas, on peut même dire qu'elles sont toutes très très inspirées. Sub-Zero wins. La jauge d'énergie se trouvant en bas de l'écran, apparue dans le précédent opus, contient trois sections. La première permet de monter la puissance d'un coup de base, la seconde est là pour briser un combo, et enfin il y a le X-Ray, une attaque puissante qui, par exemple, pour Cassie Cage, se traduit par un puissant coup dans les parties génitales des ennemis masculins. Au-delà du versus habituel, le jeu profite aussi de nombreux modes, dont les classiques Histoire et Arcade. Mais là aussi, un petit nouveau fait son apparition, le mode Tour Classique. Ici, il vous faudra enchaîner les adversaires selon trois niveaux de difficulté. Et enfin, il y a bien sûr le mode en ligne, et pour augmenter le challenge, Mortal Kombat X offre un système de factions. Lorsque vous remportez une victoire, vous apportez des points à votre camp, et en fin de semaine, chaque faction sera récompensée en fonction de son résultat. Pour ceux qui auraient peur de faire perdre des points à leur équipe, des mini-jeux et des challenges sont disponibles chaque semaine. Cette édition de Mortal Kombat contient aussi un mode combat en équipe, ainsi 10 joueurs peuvent s'affronter en 5 contre 5, chaque duel a lieu en ligne, chacun de son côté, et le résultat s'affiche pour tout le monde à la fin. Un système plutôt sympa pour ceux qui aiment jouer en équipe et pas seulement faire du 1 contre 1 en ligne. Bref, vous l'aurez compris, ce Mortal Kombat X propose pléthore de nouveautés qui plairont aux habitués de la licence, et les nouveaux joueurs pourront facilement se faire la main sur un opus qui se veut plus accessible tout en restant ultra technique. Bon, bah c'est pas tout, mais moi j'ai encore des fatalities à bosser et je vais y aller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube XboxFR, à retrouver les programmes précédents et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, bon jeu à tous!